Hey, salut YouTube! On se retrouve pour la suite et peut-être la fin de F123 sur le mode Breaking Point. Let's go! Vous voyez, avant le départ d'une course, tout est possible. Rien n'est sûr. D'un côté, on a les géants de la discipline, certains pilotes, certaines écuries, ceux qui donnent le ton, dont on attend les résultats. De l'autre côté, les outsiders. Et nous sommes toujours là, à nous battre pour grappiller une place, un point de plus. À guetter la moindre opportunité, profiter de la moindre faille qui se présente. Et pile à ce moment-là, juste avant le départ, c'est comme si le monde entier retenait son souffle. Voilà. Tout le monde attend. L'atmosphère est très lourde. Quelle que soit l'issue de la course, je savais que Conner Sport avait marqué l'histoire de ce sport. Hey. C'est tout ce qui m'importait. Vous n'étiez pas un peu nerveux? Vous plaisantez? Nous savons parfaitement où nous en sommes à présent. Mais beaucoup de choses risquent d'avoir changé quand nous verrons le drapeau à damier, ici à Abu Dhabi. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ok, principal objectif. Dépasser Gassi avant le niveau 1. À grappiller quelques places. À l'attaque, Aiden. Ok, Jaiden. Oh, je sens un truc là. J'ai comme l'impression que là, avant le 9ème tour, on va jouer Aiden. Il n'y a pas de 9ème tour. On va jouer Kali. C'est sûr. Oh, je le sens. Avant le 9ème tour. Ouais, il est quand même à 8 secondes. Ouais, c'est large, jouable. Ouais. Il est pas si loin que ça. Attendez, quel tour déjà? 4ème? Ouais, ça va. La course vient à peine de commencer. Ah, et Kelly qui est juste derrière, donc à mon avis on va essayer d'être 9ème avec avec Aiden et après on va jouer Kelly. C'est sûr. On parlait combien les gars? Donc, alors toi déjà tu vas vite finir derrière, mais merci. Ok. Je me rentre pas dedans, merci. J'ai envie de faire une course vivant. Mais c'est vrai que tu vois, le jeu est plus mis maintenant. Sur la rivalité entre Aiden avec la voiture qui te précède, et Kali, et pas juste en fait sur les problèmes mécaniques de la voiture qui apparemment n'existe plus. Tant mieux d'un côté, hein. Parce qu'on a quand même abandonné ou perdu beaucoup de place à cause de ça. Mais bon, la rivalité entre les deux pilotes, ça nous a beaucoup joué aussi sur les places, hein. Au final. Et je trouve que là les, alors je sais pas si vous lisiez ce que pendant la conversation téléphonique, mais il y avait un je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est les actus. Dans les actus, il y avait une petite phrase où c'est marqué que toutes les courses de F1 devraient se faire la nuit. Mais c'est vrai que de nuit, je trouve que ça fait beaucoup plus beau que de journée. Bon, après ça dépend des courses, parce qu'en fait t'as des effets de soleil qui sont super bien faits. Et là c'est vrai que de nuit ça rend vachement bien. Bon, par contre j'arrive toujours pas à rattraper putain Gasly, attends, les 4 secondes il passe à 6 secondes Gasly là. Non mais je suis en train de perdre du temps de ouf en fait là. Enfin, c'est pas normal. Faut qu'on passe à deuxième là. Oula, je dis ça et je suis en train de me mettre dans le décor tout seul. Je vais peut-être avoir le DRS sur lui. Ouais, je vais avoir le DRS sur lui déjà. Je vais avoir le DRS sur Stroll. Ça va me permettre de grappiller un peu de points. Enfin, un peu de temps surtout. Vu qu'après il y a une autre zone de DRS. Parce que là, je pense pas le dépasser maintenant. J'ai beaucoup trop de retard. J'ai cru que j'allais jamais freiner.
Nickel. Là on a bien géré. Et Sol aussi qui a le DRS. Il va essayer de me dépasser, non? Non. Ok. Je fais le meilleur secteur. Quand on est bien, faut que j'arrive à dépasser Bottas. Le problème c'est qu'une fois Bottas battu, Gasly sera toujours assez loin. On va dire mes confrontations me permettront de perdre moins de temps. Et forcément, ça me fait perdre un peu de temps à chaque fois, à chaque virage en fait. Ouh, meilleur tour. Ah, je sais. Je lui laisse un peu d'espace. Ok. J'ai pris l'ascendant, c'est bon. C'est juste que j'arrive à rattraper Gasly et on est bon. Mais je sais pas en fait déjà à quel classement est positionné notre écurie, et je sais pas combien de points en fait il nous manque pour passer 5ème. Ça c'est dommage, tu vois. À part nous dire qu'on n'est pas 5ème, ça nous avance pas plus en fait. Il faut des chiffres concrets. Hop. Ok, là on a rattrapé un retardataire déjà. Dommage parce que ça me permet pas d'avoir le DRS. Bon, t'es bien. On est quand même au 7ème tour, j'ai encore un peu de temps pour pouvoir le dépasser. Il faudrait pas que... Je me demande si plus vite je le dépasse, plus vite je change de perso, donc ça me laisse plus de temps pour un prochain objectif. Ça serait bien. Ok, lui c'est géré. 3 secondes 3. Je sais pas combien je l'ai rattrapé sur le dernier tour. C'est bon, moins de 3 secondes déjà. Déjà on récupère quelques points, c'est plus important. Seconde 6. Peut-être à la fin de ce tour, ça sera possible. Mais attends, s'ils disent avant le 9ème tour, ça veut dire que faut que je le dépasse avant la fin de ce tour-là, là. Parce que là, du coup, il y a moins que j'y arrive pas. Hein. Il est à 2 secondes 6. Ouais. C'est la première fois qu'on ferait pas un objectif, alors. Voilà, est-ce que c'est avant la fin du 9ème tour? Ça me paraît complexe. Je vais essayer de tout. Je vais essayer de le niquer dans un virage là, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Ah, parce qu'en fait les virages sont plus aussi lents qu'avant ici. Et à mon avis. Ah, s'il nous met échec, c'est que. En fait, le prochain tour, c'est bon, je l'aurai. Vraiment, j'arrive à le niquer. Non, là, il est trop loin pour que je puisse niquer là. Ouais. Révélation, est-ce qu'on va se faire niquer? Ouais, échec. Recommencer l'épreuve. Bah, les gars, on se retrouve une fois que je serai juste derrière le 9ème, je pense. Bon, les gars, on est déjà derrière Pierre Gasly au 6ème tour. Ça a été assez rapide. C'est vrai que là j'ai tout donné au niveau des temps là. J'étais concentré et agressif d'une façon très très phénoménale. Donc à mon avis on va réussir à le doubler assez facilement. Il est à 2 secondes, on a pas mal de temps pour l'attraper. Donc ce n'est qu'au 6ème tour. Donc ça devrait être assez simple. C'est vrai que tout à l'heure j'étais un peu trop passif, je pense, pour pouvoir gérer les duels. Alors que là, mon pote, je les aime, mais j'ai été tellement agressif, c'était violent. T'inquiète pas que je vais le battre. Je pense que dans le 7ème tour, il est bon. Ce sera à moi. Hop. En plus, ouais, c'est le dernier circuit de la saison, donc...
Après, ouais, je pense que... De toute façon, j'aurais pas réussi le défi, c'est sûr que l'écureuil aurait échoué. Allez, on est bon là, juste derrière lui. Septième tour. En fait, j'ai juste deux tours d'avance par rapport à tout à l'heure, quoi. Voilà, je vais le fumer dans le virage, mon pote. Oh, il a pété un plomb. Bon, en fin de compte, j'aurai pas ce virage là. Je l'aurai avec le DRS. Oh, même pas, parce que c'est peut-être lui qui... Non, c'était moi qui étais derrière, hein, ok. Pour l'instant, il se passe rien, pas de cinématique. Voilà, ils attendent vraiment le 9e. Ah. À fond dans la ligne droite, avec Jackson qui remonte encore dans le peloton. Quelle grande course il nous fait! Oui, jusqu'ici il tourne bien, Julien. On sait qu'il apprécie ce circuit. Souvenons-nous de sa course en 2021. C'était un numéro exceptionnel. Qui pourrait l'oublier? C'est exactement ce dont Connor Sport a besoin aujourd'hui. Meyer se défend bien et Jackson est dans la forme de sa vie. Bon boulot, Hayden. Tu devrais pouvoir encore gagner une place. Allez, allez. Y a un truc qui va pas. Je regarde. Je perds de la vitesse. Il aborde maintenant la longue ligne droite. Tout semble bien aller pour lui. Mais attendez, il ralentit. Il ralentit. Visiblement, il y a un gros problème. Ah oui, clairement un problème, Julien. Et je me demande lequel. Le moteur, peut-être? Tout le monde lève les bras au ciel sur le muret des stands. C'en est fini pour lui. Eh oui, le moteur vient de lâcher. Saison 2023 terminée pour Hayden Jackson. Une fin spectaculaire, mais sûrement pas celle dont il rêvait. Il s'est passé quelque chose? Avarie moteur, Hayden est hors course. Je répète, Hayden hors course, c'est bien reçu? Fini pour Hayden, bien reçu. Quoi? Laisse-moi lui parler. Quoi? Pourquoi? Donne-moi le casque. T'es sûr de toi? Je suis toujours sûr de moi. C'est bien ce qui m'inquiète. Kali? Devon? Ouais, on vient de parler et on pense que tu devrais pas trop pousser la voiture. Hein? Pourquoi? T'es loin derrière. Et on veut pas que t'exploses ton moteur, alors lève le pied et termine la course. Il faut qu'on soit réaliste. Reçu? Attends, c'est la consigne officielle? Casper a validé. Tu pourras jamais rattraper ton retard. C'est impossible. Roule tranquille, Cal. Tu vas voir, elle va pas écouter. Principal objectif. T'as mis 4 points au mieux. Oula. Est-ce que tout va bien, Kali? Oui, rendez-vous après la ligne d'arrivée. Ok, donc on se retrouve juste derrière Gassi en plus. Nickel, t'as mis 4ème. Ah, j'ai pas de bonus. Ok. Bon, tant mieux. Mais tant mieux. Je l'ai pas dépassé sous drapeau jaune, on est d'accord. Pense pas. Je sais pas si je dois rentrer au stand au bout d'un moment, parce que forcément on a repris au 4ème tour. Je sais pas s'il y a une entrée au stand de prévu. Vas-y, faut qu'on donne tout là. Sinon on pue d'écurie les gars. Tout repose sur nos petites épaules. Du coup à mon avis c'est 4ème ou c'est la mort. C'est la mort de l'écurie Connor Sport. Ok. Devon, il a des façons de motiver les gens, c'est incroyable hein. Ok, bon après il connaît sa sœur quand même, mais bon. Ok. Bon, en plus tout à l'heure je crois qu'on parlait justement de fiabilité de la voiture. Et comme par hasard à ce moment-là, bim! Problème moteur. C'est grave hein. Franchement c'est grave. Bon après ça arrive dans toutes les écuries, hein, pas que nous, mais. Hop. Ouais, franchement ça va, j'avais pas fait attention mais 4ème il a 5 secondes. Ouais, franchement large. Là, par contre j'ai un peu merdé là. Ouais c'est pas grave.
Il regagne un peu de temps par rapport à l'erreur que j'ai faite, mais c'est pas grave. On fera mieux. Normalement, nous, on est plus rapide sur les virages que sur les lignes droites, de toute façon. Ouais, regarde le temps que je gagne sur les virages, c'est bon. J'ai le DRS en plus, nickel. Nickel. 4 secondes 5. On est au 9ème tour. Même si on gagne une seconde par tour, ça devrait être largement suffisant pour gagner. Enfin, gagner. Faire le défi au moins. Du coup, tant mieux. Hop. Mais c'est vrai que, en plus, je crois que Myers, enfin Kali, de son prénom, était loin derrière nous en plus de base. C'est juste qu'en fait le jeu nous a fait quand même reprendre 9ème dans la place où on était de base avec Aiden. Par contre, je gagne du temps sur le 4ème, mais pas sur les mecs qui sont juste devant moi, c'est incroyable. Je crois que j'arrive à prendre l'intérieur. Non, rien, mais j'aurai pas les deux. Ouais. C'est sûr. Hop. Là, je prends le maximum d'aspi. J'en ai plus qu'un tout petit peu. Pour l'avantage de bâtard. Je vois quand même dans le virage. C'est pas un souci. Ok, là, on est face à Hamilton. Il y a même moyen qu'on arrive peut-être premier. Hein. Parce que le premier ne doit pas être très loin. Oh, Hamilton n'a pas le DRS. Ok, ils nous ont empêchés de prendre l'intérieur. Et on se débrouille très bien avec l'extérieur. Ça me permet d'être un peu plus rapide. Et forcément, si lui était aussi rapide, il se serait déporté un peu sans moi. Donc forcément, il a levé un peu le pied. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, Alonso est juste devant nous. Et il nous reste 5 tours. On est plutôt large. Ça, c'est bien ça. Hop. Mais du coup, tu vois, en fait, le scénario reprend en fait au tour où t'étais. Donc c'est pour ça que plus tu réalises l'objectif tôt, avant la cinématique, et plus après le défi d'après, tu peux facilement avoir un peu plus de temps. Là, j'aurai pas l'opportunité sur ce virage-là. Bonne réaccélération. TRS. Ah, j'étais sûr qu'il allait se déporter un peu sur moi. Enfin, on est tous les trois avec le DRS. Alors Sainz, il a tout perdu dans ce duel. Là, par contre, je glisse. Ok, on peut essayer de jouer le podium. Mais de toute façon, plus on marque de points, mieux c'est. Ça aurait été mieux si on était à deux à marquer des points, mais malheureusement, là, c'était pas de notre ressort. Du coup, il sera pas pardonné, Aiden. Ah oui, je l'ai bien niqué. Ah, il était tellement près de Leclerc que forcément, sur le virage, ça l'a un peu freiné. Et du coup, on arrive sur le podium. On peut ici jouer à la deuxième place. Pas là. Oula, très mal réaccéléré, soit je sais pas ce qui s'est passé là. Nickel, on passe à deuxième. Et Verstappen qui a 2 secondes 4. Je pense qu'on est large. C'est large possible de le rattraper, de finir devant lui. C'est vrai que tu vois que Connor Sport a un avenir en fait dans la F1, avec les performances qu'on fait quand même. Juste améliorer quand même la fiabilité de la voiture, et c'est vrai, ça, en plus ça a l'air d'aller mieux entre Kali et Aiden. Aiden il a un peu mis d'eau dans son vin, donc après il...
Après, je pense que l'avenir en fait de l'écurie lui apporte peu parce que lui, ce qu'il veut, c'est aller ailleurs. Donc, mais est-ce que après ailleurs, ils veulent de lui? Ça, après, c'est autre chose. Ça, c'est sûr. Malheureusement, c'est qu'un sport après n'existe plus. Il a plus de place en F1. Donc, en gros, il aura tout perdu, quoi. Alors que là, tant qu'il a un siège, il perdra rien, quoi. Mais en mi-saison, déjà, il voulait partir, donc il avait forcément déjà une opportunité quelque part, normalement. Mais je sais pas. Bon, normalement, Verstappen, on l'aura sur la ligne droite, avec notre petit DRS. Tout va bien. Et là, il tendance à la radio à perdre de puissance. Voilà, on fume la Red Bull, mon pote. J'ai peut-être freiné un peu tôt, en vrai. Même trop tôt, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, l'important c'est qu'on soit devant. Avec le DRS, je pense pas qu'il puisse nous rattraper. Ouais, si, quand même un peu. Hein. Je regarde au niveau du temps en fait. À distance où il est, il m'a attrapé quand même pas mal. Hein. Mais là, on arrive sur le 14e tour. On est plutôt bien, on a de l'avance. Enfin, de l'avance. On a de l'avance par rapport à notre objectif quoi. Le principal, ça reste notre objectif. Après la première position, on va dire que là, c'est plutôt un bonus. Même si en soi, ça l'est pas, mais. Pour l'histoire. C'est... Hop là. Il nous reste 2 tours. Et nous voilà à la fin de la course et de la saison, les petits potes. En espérant qu'on arrive à faire survivre l'écurie. On arrive à être dans le top 5 des constructeurs. On va voir ça une fois passé la grille. Une grille où on va passer. On va rester en tout cas première de la course. J'ai pas réussi à faire le meilleur tour, malheureusement. Je sais pas si j'en étais long ou pas, donc ça, malheureusement. On peut pas tout avoir, mais au moins on finit en première position principale. Incroyable performance de sa part aujourd'hui. On doit être vraiment très content d'elle chez Connor Sport. Si l'on en croit les rumeurs, Jacques, l'avenir de cette écurie était plus qu'incertain. Mais elle a sûrement fait le nécessaire pour revenir la saison prochaine. En tout cas, son parcours était vraiment plaisant à suivre. Ah du coup, y a pas de podium, y a rien. On se fait vraiment marcher dessus là. Ouais, d'accord. Très bien. Chapeau Kali, l'incroyable performance de Meyers à Abu Dhabi. Allô Devon. Eh hey, Devon. Pas mal, Sorette. Pas mal du tout. Tu l'as fait exprès? Fais quoi exprès? Oh, allez Devon, roule tranquille. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Techniquement, t'as désobéi à un ordre de l'équipe. C'est moche. C'est fou que je sois tombé dedans. C'est si évident maintenant. Tu devrais te détendre, Cal. Ça devient gênant, là. C'est surprenant que Casper t'ait laissé faire ça. Très surprenant. Bon, j'y vais. Tu dis n'importe quoi. Allez, ciao. Ouais, ciao. Ok. Non, il y a quelqu'un d'autre qui veut nous appeler. Ah. Oh, c'est le padre. Papa. California. C'est bon, t'es content? Écoute, j'aimerais qu'on se retrouve autour d'un café demain avant de partir. Je décolle dans l'après-midi. Oui, je sais pas trop. Pour discuter de la saison prochaine, ça serait bien. Pense-y au moins. L'offre tient toujours. Ça ressemble à une négociation. Comme toujours entre toi et moi, Kelly. Tu me diras. Ok, alors je regarde un peu ce qu'il y a dans les actualités. Ils sont tous contents qu'on ait gagné. On n'a pas gagné d'abonnés avec Kali, c'est un peu dommage, mais en vrai ça n'a pas d'importance sur l'histoire, donc bon, pas grave.
Courage, ok, bah alors on a fini. Les emails. Boisson au garage à 18h. Vous avez intérêt de venir. Quand on parle d'alcool, il y a toujours du monde, mon petit pote. Je vous parlerai individuellement plus tard, mais pour l'instant, permettez-moi de féliciter rapidement toute l'écurie. Impossible que je sois plus heureux et Andréo est aux anges. Je sais à quel point vous avez travaillé dur cette saison. J'ai conscience de ce que vous, de ce que nous vous avons demandé. Et je sais que cela n'a pas été facile. Dans ce sport, il est rare d'avoir l'occasion de souffler et d'apprécier le travail accompli. Mais cette fois, on peut le faire, profitez-en. Ouais, bon, en même temps, c'était la dernière course, donc la saison est finie. On sait même pas qui est le champion du monde, c'est dommage. Kali, je n'arrête pas de t'appeler et je n'arrive pas de joindre. C'est génial, je veux juste t'en parler. Quelle course, appelle-moi. Et voilà, on va finir la saison. C'était fantastique. Je pense n'avoir jamais vu une course pareille. Je me suis trompé sur Kali. Comment avez-vous vécu cette panne de moteur? La monoplace parfaite n'existe pas. Celle qui est tombée en panne est la même que celle qui nous a fait gagner. Donc, je conduis la voiture qu'on m'assigne. C'est aussi un sport individuel. Donc chaque personne a des... motivations un peu différentes. Prenez Devon, par exemple. Il réagit toujours bien quand on le brosse dans le sens du poil, quand on lui dit qu'il est le meilleur. Il a si peur de l'échec que quand il tombe de haut. Ça le motive. Kali, en revanche, a toujours eu la volonté de donner tort à son prochain. Dites-lui qu'un objectif est hors d'atteinte, elle fera tout son possible pour l'accomplir. C'est de la détermination, de l'entêtement que l'on peut exploiter. Quant à Aiden, à ses débuts en F1, on l'a pris pour un type sympa. Mais il débordait d'ambition. Et Aiden, c'est ça qu'il fait avancer. C'est pourquoi j'ai lancé des rumeurs quant à un éventuel intérêt de la part d'autres écuries alors qu'il était pilote chez Connor Sport. Ça attisait son ambition. Ça lui donnait un but, vous voyez? On pourrait facilement y voir une sorte de manipulation, non? Mais bien sûr. Motivation et manipulation, c'est la même chose. Ah bon? Oui. La fin justifie les moyens. Après tout, c'est du business. Vous attendez la prochaine saison? Je n'attends que ça. Vous restez la saison prochaine? Si Casper reste, je reste, il le sait. Donc, vous restez en poste malgré votre désaccord avec Dalida? Ben, on verra. On l'a fait. On a réuni les fonds. Quelle équipe! Et c'est tout ce qui compte? Actuellement, oui. C'est tout ce qui compte. Ok, c'est fini? Ouais? Cool. Ciao. Eh bien, je crois qu'on a fini, la... l'histoire de ce mode, qui était plutôt plutôt sympa entre les problèmes de fiabilité d'écurie, les problèmes d'ego entre les pilotes, le problème du daron qui ne voulait pas réinvestir la saison prochaine. Et ben il s'est passé quand même pas mal de choses. Mais je crois qu'il était un peu plus long que le premier opus. Si je me trompe pas. Mais sinon ouais c'était sympa parce que ils aiment bien alterner entre la F2 et la F1. Même si là de la F2 on en a pas fait beaucoup je crois. On a dû faire deux courses, trois courses peut-être. Mais là par rapport aux anciens F1 en fait tu sens moins la différence parce que normalement les... Enfin, en général, la F2, j'ai beaucoup plus de mal à les piloter que là. Et là, pourtant, ça a été assez assez simple. Voir, j'ai l'impression que c'était la même conduite que le F1. Juste, avec un petit peu moins de puissance, tout simplement.
Alors qu'avant, t'avais la maintenir sur piste, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est peut-être moi, je savais pas piloter à l'époque. Peut-être, hein, qui sait. Mais en tout cas, voilà. On voit qu'Aiden est devenu beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus réfléchi, qui a perdu de son ego là. Ce qui est beaucoup mieux. Et du coup, je pense que là, ça annonce quand même un troisième opus. Alors, je sais pas s'ils vont le mettre directement dans le prochain F1, dans le F1-24. Ou s'ils font, ils prévoient un mode d'histoire tous les deux ans. Parce qu'il me semble que l'ancien, c'était sur F1-21. Et du coup, bah, soit c'est sur le 24, soit ça sera sur le 25. Mais c'est vrai que je pense que je... Alors là, c'est dans Game Pass, donc pour ça que j'y ai joué, mais... Sinon, je pense pas que je vous aurais proposé quoi que ce soit sur le jeu. Juste tourner comme ça pour tourner, c'est pas super... Malgré que le mode F1 Team... Ou le mode carrière reste assez sympa, mais moins sympa à proposer, je pense, en vidéo que justement le mode histoire. Du coup, les petits potes, j'espère que cet épisode vous aura plu et que la série également. Nous dit à la prochaine pour une prochaine série. Et on va voir en même temps s'il y a une autre cinématique après le générique. Eh bien non! Du coup, nous on se dit à la prochaine! Ciao tout le monde!